Good morgen, allez, Yiden et tu seras aujourd'hui les lundi Shemat Mishra de Ben Fortune Mazal, Koulot Yisrak Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez vous aussi des deux, nos prochaines études de Mishra, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Maseret Beitza, Perek Alef, Mishna Vav. Bet Shamay Omrim, En Monechin, Chala ou Matanot la Kohen, Beyom Tov, ou Bet Ben Shomu Me'emesh, Ben Shomu Me'ayom, ou Bet Hilel Matirin. Amour laem Bet Shamay Gzera Shava, Chala ou Matanot, Matana la Kohen, ou Truma, Matana la Kohen. Keshem Shenu Anachin Ata Matanot. On a une Mishnah qui nous parle des cadeaux qu'on doit faire au Kohen, des différents cadeaux qu'on doit faire, des différentes parts qu'il faut prélever au Kohen et lui donner sa taxe. Est-ce qu'on pourra les lui apporter pendant Yom Tov? De manière générale, on va parler dans notre Mishnah de trois sortes de prélèvements qu'il faut faire au Kohen. Tout d'abord, il y a la trauma des fruits et légumes et céréales et vin et huile d'olive. La trauma gdola, lorsque tu reçois, tu reçois 100 litres, tu donnes, on a l'usage de donner un 50e, un 40e, un 60e, ça dépend si on veut être large ou radin, mais c'est, on va dire, un 50e. Donc tu as eu 100 litres d'huile d'olive, tu donnes 2 litres. Tu as eu 100 litres de vin, tu donnes 2 litres de vin. Et idem pour la trouma. Ça c'est ce qu'on appelle, donc c'est la trouma de la toua, de la production agricole. Il y a à part ça, la challah. Une fois que tu as prélevé ton blé, que tu as donné la trouma, tu as pétri ton pain. Dès que tu as ta pâte, tu dois prélever un morceau et l'apporter au Kohen. Quelle taille de morceau, pas comme aujourd'hui le petit bout qu'on donne, l'usage il était de donner un 24e de la pâte. D'accord? Par conséquent, donc tu as fait 24 pains, tu donnes un pain en Kohen. Ça c'est la chala. Et une autre sorte de part encore, c'est Zora Lechaim Vekeiva. Lorsqu'on égorge un animal, il faut lui donner la Lechayaim, le Lechi Tarton, je crois que c'est. Dans Roulin, on apprend ça. Il y a la mâchoire, ça revient en Kohen, la part, la langue, avec la langue d'ailleurs. L'Echayaim, Zroa, le bras, hein, une patte, Vekeiva et aussi l'estomac. Il y a des raisons pourquoi, des remazim qui ont été dit par rapport à Pinchas et tout ça. En tout cas, c'est des dons qu'il faut faire au Kohanim, qui sont encore en vigueur aujourd'hui, entre parenthèses. Aujourd'hui, ils ont des trafics pour, si je peux dire, contourner ça. Comme si, qu'en fait, ils ont un abattoir qui a fixé qu'ils ont un Kohen à qui ils vont donner tout ça, le Kohen, ils leur revendent les parts. Et il donne, en contrepartie, il rachète la viande directement. Au lieu de lui donner la viande à l'état brut, que le Kohen, il ne va pas savoir quoi en faire. Alors du coup, le Kohen, on les lui donne et on les rachète à 10 shekels le kilo. Ouais, c'est discuté si on aura d'agir de la sorte ou pas, c'est toute une histoire. En tout cas, c'est encore d'usage en vigueur, c'est encore en vigueur à notre époque. En tout cas, on a parlé de trois sortes. Donc on a parlé de la trauma, de la challah et des parts de viande. Zora, les Chayim, les Kaïva. D'accord? Trois sortes de choses. La question, la problématique de notre Mishnah, c'est est-ce qu'on pourra apporter les sépares au Kohen pendant Yom Tov? C'est-à-dire, les prélever, tu auras le droit de les prélever. Parce que sinon, tu n'as pas le droit de manger. D'accord? Donc, par exemple, j'ai mes fruits, j'ai mon jus de raisin, mon vin, j'ai envie de le boire pendant Yom Tov. Si je n'ai pas prélevé la part qui revient au Kohen, et je suis bloqué, je ne peux pas le manger, je n'ai pas le droit de manger, c'est un sourd. Riv Mitabé des Chamaïm de manger du Tevel qui n'a pas été prélevé. À l'époque, en tout cas, il y avait la trauma de Horaïta. Donc, obligation de manger et de prélever pendant Yom Tov. La question, elle est-ce que je pourrais lui apporter pendant Yom Tov? Alors, histoire de mieux, après, mieux comprendre la Mishnah quand on avancera, je mets en évidence la problématique qu'il y a. C'est qu'en général, tous les fruits, tous les prélèvements agricoles, tu pouvais les faire depuis la veille. Parce que tu n'es pas parti cueillir tes fruits pendant Yom Tov. Les fruits, tu les as cueillis depuis longtemps. Puisque tu veux les manger pendant Yom Tov. Donc tu les as au moins, veille de Yom Tov, tu les as fait rentrer chez toi. Donc tu as un problème. Tu aurais dû les prélever depuis le moment où tu es rentré chez toi. Et au moment où tu les prélèves, tu les amènes au Kohen. Tu ne l'as pas fait, c'est ton problème. On va discuter ce que tu aurais dû les apporter. À la différence de la pâte, de le prélèvement de la challah, ou encore de Zora Lechaim Vekeiva, les parts qu'on donne dans la viande, c'est des choses que tu ne pouvais pas donner hier. Parce qu'hier, tu n'avais pas pétri, tu as le droit de pétrir pendant Yom Tov. Donc tu te mets à pétrir pendant Yom Tov. Maintenant, tu fabriques ta pâte.
maintenant tu deviens imposable de prélever la part et de donner la chala au Kohen, ou encore maintenant tu fais la shrita pendant Yom Tov, tu deviens imposable de donner la part qui revient au Kohen. Donc tu ne pouvais pas le faire depuis la veille. On ne t'a pas obligé de faire la shrita depuis hier. C'est la différence fondamentale qu'il y a entre les deux groupes de Trouma et de prélèvements qu'on fait au Kohen. Il y a donc un prélèvement que tu pouvais faire depuis la veille. Du coup, on va être plus rigoureux envers toi. On ne va pas te permettre forcément de la porter. Ça va être la problématique de la Mishnah. Mais par contre, il y a un autre type de prélèvement qui sont des choses que tu n'étais pas imposable hier. Ils n'existaient même pas. Il n'y avait pas fait de pâte. Tu ne peux pas prélever de la farine pour donner la challah. Ça ne marche même pas. Une fois que tu feras ta challah, tu vas maintenant la pétrir. Maintenant, c'est une pâte. Maintenant, tu dois prélever. Et tu as le droit de pétrir pendant Yom Tov. Donc pendant Yom Tov, tu lui imposes une challah. Ça, c'est la problématique. Donc de la Mishnah, est-ce que je pourrais les apporter au Kohen? Ou bien est-ce qu'on va dire, non, écoute, déjà je te permets de prélever, dis merci, prélève, mais tu mets de côté, tu ne les apportes pas au Kohen. C'est la problématique. Il y a maintenant, il y a un problème dans cette Mishnah en fait. Cette Mishnah, elle va s'exprimer d'une certaine manière, elle va dire que non en fait, tout ce qu'il y a écrit, il faut retourner toute la situation. En deux mots, je vous explique très simplement ce qu'il va y avoir concrètement en conclusion. Selon Beth Hillel, tu as le droit d'apporter au Kohen tous les prélèvements que tu veux. Et t'as le... Non, ouais, d'accord, t'as le droit de prélever tous les prélèvements, tu pourras les apporter au Kohen pendant Yom Tov. Parce que le Beth Hillel, il va dire, écoute, de toute façon, tu m'as ouvert la porte, tu m'as permis d'apporter, puisque le prélèvement de la challah et des prélèvements de l'animal, des parts de viande, t'as le droit de les transporter aujourd'hui, puisque tu ne pouvais pas le faire depuis la veille, tu m'as permis de le faire, allez, dans la lancée, permets-lui aussi de prendre même la trouma de la transporter. Et Beth Hillel, il va me dire, non, ce que tu pouvais faire depuis la veille... Je ne te permets pas de le transporter aujourd'hui. Ce que tu ne pouvais pas le faire depuis la veille, je t'interdis de le... Je te permets en fait de transporter que ce que tu ne pouvais pas faire depuis la veille. Ce que tu pouvais faire depuis la veille, eh bien, dis merci que je te permets de prélever, mais contente-toi du strict minimum pour pouvoir manger ton repas de Yom Tov. Donc tu prélèves, tu laisses de côté, mais tu ne l'apportes pas au Kohen. D'accord? Je vous ai dit la Mishnah comme il va falloir la lire. À la fin. On ne va pas réussir à la lire comme ça. La Gemara, elle retourne la Mishnah. La Mishnah, pour le moment, elle va s'exprimer d'une autre manière, en fait. Et je traduis tout directement, vous allez tout comprendre, les Antachem. Bet Shammai Omrim. Bet Shammai nous disent En Molechin Chala ou Matanot la Kohen Beyom Tov. On ne pourra pas transporter même la Chala et les Matanot. Ce qu'on dit Matanot, c'est le Matanot de viande, les parts de viande. On ne pourra pas les apporter au Kohen pendant Yom Tov. Et regardez, Ben Shurmo Memesh. Bien évidemment, même s'ils ont été prélevés depuis la veille. Mais même Ben Shurmo Mayom, même s'ils ont été prélevés aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tu as pétri, aujourd'hui tu as fait. Tu as battu l'animal, et maintenant tu deviens imposé de lui apporter les parts, tu ne les apporteras pas. Comme ça, il nous dit Beth Shammai, il est très rigoureux là cette fois-ci. Comme c'est fréquent, mais là, par rapport à ce qu'on a dit, c'est très rigoureux. Tu n'apportes rien, même ce que tu n'avais pas le choix, c'était impossible de le faire depuis la veille, tu n'auras pas le droit de transporter aujourd'hui. Ça, c'est la vie de Beth Shammai. Ou Beth Hillel Omrim, ou Beth Hillel Matirim, Beth Hillel permet de transporter tout. Donc, ce que tu pouvais prélever depuis hier, tout comme ce que tu ne pouvais pas prélever aujourd'hui, à plus forte raison. Et sur ça, chacun va se justifier. Bé, Amrou, Lahem, Bet Shammai. Amrou, alors ils ont rétorqué Bet Shammai, Bet Shammai va se justifier. C'est pourquoi j'interdis de transporter la challah? Parce que j'apprends par juxtaposition. Là, t'es d'accord, toi, Bet Hillel, que la trouma que tu pouvais apporter depuis la veille, t'as pas le droit, la trouma elle-même, la trouma agricole, que tu veux avoir depuis la veille, tu n'as pas le droit de la transporter pendant Yom Tov. Eh ben, donc tous les prélèvements pour le Kohanim, tu ne peux pas les transporter. Et sur ça, Beth Hillel va dire non, chacun avec ses caractéristiques, parce qu'on va regarder. Amrou lahem Beth Shammai, ils ont dit Beth Shammai à Beth Hillel. Gzera Shava, je déduis par juxtaposition, c'est pas une Gzera Shava, tout est dénim de Rabbanan. Mais c'est, en tout cas, je déduis l'un de l'autre. Chala ou Matanot, Matana la Kohen. La Chala, le prélèvement de la pâte, et Matanot, le prélèvement de la viande, c'est des Matana la Kohen, c'est des cadeaux, des parts qu'on donne au Kohen. Ou Trouma, Matana la Kohen, et le Trouma, le prélèvement agricole, c'est aussi un cadeau qu'on fait au Kohen. Et bien dans ce cas-là, apprends l'un de l'autre. Keshem, Shen, Molichin et Trouma, autant au même titre que tu n'as pas le droit de transporter la Trouma pendant Yom Tov au Kohen, et bien Kar, En Molichin et Matanot, au même titre, tu n'auras pas le droit de transporter les Matanot, les cadeaux, les parts des viandes, et donc de la Chala aussi, tu auras le droit de le faire. Tu prélèves, mais tu laisses. Amrou lahem Beth Hillel. Donc là, du coup, ça sort que Beth Shammai, il est marmire surtout. Et sur ça, Beth Hillel, il va dire, je suis d'accord avec un, mais je ne suis pas d'accord avec l'autre.
Donc, d'accord, on a Beth Hillel qui est un peu plus Mekel, mais pas complètement. Pas comme ce que je vous ai introduit au début de la Mishnah, que la Gemara va retourner la situation. Après, je reprendrai en compte ce que la Gemara dit, quoi, au final. Amroulam Beth Hillel. Beth Hillel en rétorqua. Non, ta déduction, elle est mauvaise. Parce que, imamantem bitrouma, si vous avez dit dans la Trouma que tu n'as pas le droit de la transporter au Kohen pendant Yom Tov, tu sais pourquoi? Chez nos Akaïbaramata. Parce que tu ne la lui fais pas acquérir depuis le moment où tu la prélèves, je ne sais même pas comment ça se traduit exactement. Mais nos Akaïbaramata, Ashiruv Trouma, Bak, Shememarer. Ah! Parce que tu avais pas, d'une certaine manière, tu n'avais pas le droit, c'était pas le moment de la prélever pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que les prélèvements agricoles, comme c'est l'exécutif d'Israël, depuis la veille de Yom Tov, déjà, tu les avais déjà engrangés chez toi. Depuis le moment où ils sont engrangés, tu devais prélever. Donc, c'est pas qu'à Yom Tov, ça a commencé le début de la nécessité de transporter son Kohen, c'était imposé depuis hier, depuis la veille de Yom Tov. Donc, du coup, tu ne pourras pas le transporter. Tandis que Tomrou Bematanot, vas-tu dire la même chose pour les matanot, pour les autres cadeaux qui sont les parts des viandes ou encore la challah chez Zakai Baharamatan, que le début de la possibilité de les donner au Kohen ne débute qu'à Yom Tov, c'est pour ça que eux, tu as le droit de les transporter. Comme je vous ai dit, la Gemara retourne ça, et en fait, ça se passe à l'envers. On est tous d'accord qu'on a le droit de transporter la challah et les matanot. La question, c'est est-ce que je peux déduire de là la Trouma agricole? Sur ça, Beth Hillel, c'est le Beth Hillel qui ouvre le sujet, qui dit, je déduis par juxtaposition que, autant que je peux transporter les matanot et la challah au Kohen, dans ce cas-là, j'aurai aussi transporter la Trouma, et Beshamay va nous dire, non, c'est pas la même chose. Parce que il va nous dire les mêmes phrases qu'il dit Beth Hillel, mais dans l'autre sens. Parce que la challah et les matanot, et nos Zakai Baramata, c'était en droit, c'était tout à fait normal de le prélever aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on va, si déjà tu le prélèves, fais la mitzvah jusqu'au bout, amène directement au Kohen. Mais les choses que tu pouvais faire depuis la veille, là je te parle strict minimum, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, c'est là.